Bonjour, je suis Sir Bryson pour servir et bienvenue dans un épisode de Final Fantasy. J'irai même jusqu'à dire que c'est très certainement le dernier épisode de Final Fantasy, premier du nom, où on se balade dans des labyrinthiques, ça tombe bien, où on se perd complètement. Ah, je sens qu'il n'y a pas encore beaucoup de coffres. Et on essaye de trouver le boss final pour lui pourrir sa tête et faire en sorte que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Nice. Nice. On suit, hein. Pour l'instant, j'ai une route. Je suis la route. Je vois une porte, je prends la porte. Hey, nice. Ah oui, carrément. Ah oui, merde, je pensais qu'il allait devant la porte, lui. Qui est con. Bon, ben... Grâce X. Voilà. Magie booster. Rage. Allez, prochain coup, il va faire des bonnes attaques. C'est bon. On refait encore un booster et une rage. Il nous balance de l'encre, c'est sympathique. Et à partir de là, au vu des PV, on va juste taper comme des gros sourds et ça passera nickel. Foudre plus. Ah, peut-être qu'après on va peut-être en remettre un petit peu de PV. Hein. Oh non, ça va. 74. 1004. On va y aller. Nice. Qu'est-ce qu'il veut de... des tentacules? Yuna, t'en veux une? Oh oui. Bibi, tu veux l'encre? Bon. Donc là, on va de nouveau être au niveau du vent. Je suis le chemin. Ah. J'ai cru entendre mon petit chat miauler, mais non. Ah, si je place pas mes doigts. On suit le chemin et on voit ce que ça donne. Il y a un baron vampire. Oh! 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 Ah merde! Oh! Lui aussi peut maintenant taper très bien! Nice! Bon, ça m'indique pas où est-ce qu'il est le boss. Enfin, où est-ce qu'il est le boss, oui, techniquement aussi. Où est-ce que sont les escaliers? Bonjour Tiamat. C'est pas grave. Tu m'as fait peur. J'avais pas que c'était. J'ai pas vu les escaliers, donc je pensais pas qu'il allait être là lui. Alors, on est reparti. Booster. Rage. M'a fait peur ce con. Éclair. Ça fait des dégâts. Bibi a failli crever.
Mais c'est pas grave. Attaquer. On va repartir sur un petit grâce X. On va repartir aussi sur un booster sur le leader. Une rage sur le leader. Nuage fétide. Ouais, ça met un peu de dégâts. Alors là, on devrait être bon au niveau des points de vie. Ah, c'est les voisins qui tapent, d'accord. On attaque, on va attaquer. On va faire cette fois-ci. Un booster sur Squall. Et Führer, c'est automatiquement sur le leader, donc ça va pas. Donc on va faire Rage sur Squall. Pourquoi? Tout simplement parce que il a aussi une très bonne épée, et si on peut faire en sorte qu'il tape bien, ça peut être qualitatif. Allez, go! Voilà, il met quand même son petit 500. Il a pas la double rage et la double et le double booster. Ça se prend. Hein. En vrai. Ah, Bibi va commencer à crever, lui. Faut la remettre. Nice! Un Gilles, salaud. Ce que j'aime bien, c'est que le premier boss, il nous mettait directement sur la case. Là, c'est à 3 km. Magie. Soit un max. Voilà. Je sais pas ce qui va m'arriver là. Temple du chaos. Hein? Tu veux pas? Connaissant le temple du chaos, ça va être ici. Bon, alors, on va faire en sorte que tout le monde est à peu près bon, pourquoi pas, toi ça peut toujours être utile. Bon, en vrai ça peut être utile. Voilà. Ça c'est fait. Ils ont tous leur point de vie. On va sauvegarder. Parce que là, je sens qu'on va arriver sur Garland. C'est Garland. Vous vous souvenez de moi? J'étais autrefois un chevalier de Cordelia. Ouais, mais ça, on est revenu 2000 ans en arrière. Dans une époque située 2000 ans dans le futur, vous m'avez tué, oui. C'est bien moi, Garland. Détrompez-vous, vous m'avez bel et bien vaincu. Cependant, les quatre forces de la nature m'ont sauvé malgré elle, en me jetant dans le passé. Ah. À peine arrivé ici, j'ai expédié les quatre démons dans le futur. Afin qu'ils se réservent les quatre forces qui me renvoyaient dans le passé. Qui se resserve des quatre forces pour envoyer dans le passé. D'accord. Dans 2000 ans, j'aurais oublié tous ces événements. Ah, il a glow up. Mais je ressusciterai une fois de plus ici. Alors, vous viendrez pour me tuer comme maintenant, mais c'est moi qui vous éliminerai. À chacune de vos morts, je renaîtrai de mes cendres. Le cercle infini que j'ai créé me confère une vie éternelle. Alors, on récapépète. Le Garland qu'on a tué, qui était super pété déjà à la base, au lieu de mourir, s'est fait renvoyer dans le passé une chier de milliers d'années avant. Ce qui lui a plus conféré des pouvoirs. Pouvoir qui s'est fait chier à croître et à envoyer ses 4 sbires
ponctionné dans les joyaux. Parce que à ce moment-là, les joyaux vont être affaiblis, les guerriers de lumière vont arriver. Et va le tuer. Et les cristaux vont le renvoyer dans le passé. Donc pour s'assurer qu'il survive. Et à ça, il a créé une boucle infinie. Parce qu'à chaque fois, il nous tue. Eh bien, faisons en sorte que cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Bah non, en fait, à chaque fois, il ne tue pas. À chaque fois, on le tue. Et donc, il se renvoie dans le passé. Ah oui, c'est ça! S'il le tue, lui va ressusciter 2000 ans plus tard et va être envoyé dans le passé pour retenter sa chance. À chaque fois, on le bute. Je suppute fortement qu'il a aucune faiblesse. Bon, ben, on va tenter quand même. Allez, on va tenter Sidéral. Magie, on va retenter le truc qu'on a fait tout à l'heure, Booster. Et Rage. Classique, ça va faire mal. Bon, ça va. Wouah, 59 PV alors qu'il... Enfin, 59 dégâts. Alors que littéralement, il a la meilleure arme du jeu. Hein? Oh, le mage blanc fait un petit 355. C'est qualitatif. Allez, on va booster le chef aux hormones. Faut pas déconner. Somni, on résiste à toutes les altérations d'état. Il y a que Bibi qui ne survit pas. 800, c'est déjà beaucoup mieux. Avec ça, ça devrait faire un taf correct. Le petit sidéral qui passe bien. On rattaque, on fait un petit sidéral. On va se mettre du coup rage sur lui. Parce que là je suppute fortement qu'on va devoir en avoir plusieurs. Rage sur lui. Aïe. Double rage, ça devrait faire. Non, apparemment double rage ça sert plus ou moins à rien. Bon. Le petit sidéral, là on fait 1000 par tour, ça passe. Je sais pas combien il a de PV, mais... Ça va. On va taper. Non! On va faire taper. Et toi tu vas juste faire un booster du coup. Il n'y a pas un super booster de la mort, non? Bon. Flamme. Je sens que c'est pas un bon sort de feu ça. Ouais alors dans le... je pense que la traduction est assez pourrie. Dans les FF ça c'est flame. C'est pas flamme. Bon ça fait un petit 500, ça se prend. Avec un petit booster ça passera bien. On va se faire un petit... une petite grâce maximale. Puis alors lui on va tester séisme, on l'avait encore jamais testé. Ah bah voilà! Là on commence à parler! Non, ça fait rien. Séisme, ça tue instant. Ouais. Bon, bah écoutez, hein. On va y aller à la glace, hein. Alors, je me demande si ce qu'il y a dans son bidon, c'est la tête de garlande de base. Ou si c'est comme Alien. Ouais, ça met quand même un petit 200, ça passe. On va pouvoir refaire un petit sidéral là. Tsunami. Ça, ça pue. Aïe, 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 aïe.
Ouah, ça fait quand même un petit dégât quand même. Nice. Non, ça va, les points de vie, ça passe. On peut se refaire un petit sidéral. En vrai, pourquoi pas faire un bibi monstre de guerre, ça peut être sympa. Moi, je trouve ça kiffant, idée. Mais de toute façon, la magie, ça lui fait pas grand-chose. Bibi qui tape. Ah, là, ça pue, par contre. Bibi, il va peut-être mourir. Mon soin s'est pas lancé. Ah, Bibi va risquer de mourir, là. Ouais. Aïe. Ouh, ça fait mal. Allez, les amis, on va y arriver. Waouh, il a failli me le tuer aussi, mon petit Squall. Oh my god. Non, il va y avoir une deuxième forme. Je ne sais plus. Je ne sais plus s'il y a une deuxième forme. Techniquement, c'est déjà sa deuxième forme. Bah ouais, non, mais il part en vanish, là. Ah. Oh oh, je crois qu'on a buté l'autre. Oh, la fin! La boucle temporelle est enfin rompue. Le combat sans fin qui faisait rage depuis 2000 ans va pouvoir céder sa place à la paix. L'éclat des quatre cristaux a restauré les forces du vent, de l'eau, de la terre et du feu. C'est un simple tour du destin qui avait donné naissance à la haine de Garland. C'est-à-dire ? Amplifié par les quatre forces de la nature, ce tour du destin avait fini par engendrer les démons. Les monstres s'étaient alors multipliés, entraînant avec eux le monde dans les ténèbres. Mais tout cela appartient au passé. Oh yeah. Maintenant que les quatre forces ont repris leur droit, les guerriers se préparent à rentrer dans leur monde. Celui de la princesse Sarah, de la reine Jeanne, mais aussi de Garland. Quand, ou juste, le temps s'était-il plié jusqu'à former un véritable boucle temporelle ? Une véritable boucle temporelle. Nul ne le sait. Ce cycle aurait très bien pu se perpétuer éternellement. Mais c'était sans compter. C'était compté sans la bravoure des quatre
jeunes gens. C'était sans compter sur la bravoure. Ce serait plus français. Nul ne se souviendra du périple de ces quatre héros car, en brisant la boucle temporelle, ils l'avaient effacé définitivement de l'histoire. RP. Toutefois, le souvenir de leurs exploits perdura dans les contes et légendes. Des contes de nains et d'elfes, de dragons et de civilisations, rayonnant, atteignant les cieux jusque dans leur chute. Le retour est proche, maintenant. Fort des souvenirs de leur voyage, les quatre aventuriers continueront à veiller sur notre terre. N'oubliez jamais que les forces du monde doivent être utilisés à bon escient. Que le pouvoir de la lumière doit se garder de l'appel des ténèbres et que les vrais cristaux résident dans votre cœur. C'est mignon. Car c'est vous qui avez franchi les portes du temps. Et ça me donne encore plus envie de jouer à Stranger of Paradise. La lumière est entre vos mains. Tout simplement parce que ça va relater du coup la préquelle de ça. Ou si vous préférez, ça va expliquer pourquoi il y a une boucle temporelle. Enfin, comment on en est arrivé à avoir une boucle temporelle. Bien évidemment, il faut bien se rendre compte que il y a beaucoup de choses. Tandis qu'on parlait, on parle de boucle temporelle, de voyage dans le temps. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se recoller en fait. Pour une raison toute bête. Ils ont accepté l'idée que les unités. Les personnes qui peuplent le monde ne se rappellent pas du passé, tout simplement, ne se rappellent pas des cristaux, tout simplement parce que ça n'est jamais arrivé. Le problème, c'est que si ça n'est jamais arrivé, et qu'on ne sait pas pour les dragons, qu'on ne sait pas pour les monstres, qu'on ne sait pas pour tout ça, les humains ne devraient pas être au même endroit, et en même quantité, et avec la même manière de penser. Littéralement, on ne devrait même pas avoir les mêmes rois. De base. Ce qui fait que ça crée, bon, faut se rappeler, années 80-90, voilà, on est quand même sur un gros chef-d'œuvre. Mais il y a des brides de trucs qui ne vont pas. La fin est bancale sur ce fait-là. S'ils avaient dit que les héros revenaient dans un cycle temporel où les personnes, ça continue comme c'était. Mais les cristaux ayant redonné leur pouvoir, la Terre allait mieux. Ça passait. Si les unités, enfin si les quatre héros de la lumière revenaient à leur monde. Tout simplement parce que ça fait un fil à part où il n'y aurait pas de problème. Un fil dans le destin. Et ils l'ont bien dit eux-mêmes, de toute façon, tout le passé va être écrit, étant donné qu'il n'y a plus la boucle temporelle, il n'y a plus Garland, il n'y a plus les quatre démons. Ce qui fait qu'il n'y a plus les monstres. S'il n'y a plus les monstres, comme j'ai dit, les châteaux et tout ça ne sont pas fortifiés. Les villes ne sont pas fortifiées, ne sont pas ravagées. S'il n'y a pas les monstres ailés,
Pourquoi le peuple du vent n'a pas réussi à perdurer dans leur recherche sur la lévitation et tout, et tout. Bref, ça fait beaucoup de problèmes. Mais force est de constater que le jeu est quand même excellent et que j'ai passé un excellent moment en votre compagnie à le faire. Et je prends le pari que Stranger Paradise va rectifier une partie. Va rectifier une partie de ce problème. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite série vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien. Mais moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez envie de me voir tout simplement faire un autre FF ou tout simplement faire un autre jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis déter pour faire Stranger of Paradise. Mais j'attends un petit peu qu'il soit en promo sur le store, parce que oui, ma Xbox n'est que en démat. Voilà. Elle est à moitié pétée. Enfin, elle est à moitié pétée. On va dire que le lecteur DVD n'en fait qu'à sa tête. Donc il me le faut automatiquement en démat si vous voulez voir un live de qualité ou des vidéos de qualité. Mais c'est vrai qu'on pourrait même le faire en live. Sur ce, je vous fais des gros poutou-poutou. Et n'oubliez pas que les cristaux, c'est dans votre cœur. Bye.